c'est fini. Il ne volera plus. Il est mort. Icare est mort. Pourtant, Dédale, son père, l'avait prévenu. Il lui avait dit de prendre garde, de se tenir toujours à mi-hauteur des flots et du soleil. S'il volait trop bas, l'écume des vagues alourdirait ses ailes. S'il volait trop haut, l'ardeur du soleil les brûlerait. Icare n'a pas tenu compte de l'avertissement. Quelle folle idée tout de même pour un père que de fabriquer des ailes à l'intention de son fils et le pousser à défier les oiseaux. Dédale était peut-être fou ou inconscient pour jouer ainsi la vie du seul être auquel il tenait. Non, rien de tout cela. Dédale était un merveilleux inventeur, instruit dans son art par la déesse Athéna en personne. C'était aussi un brillant architecte, un dessinateur de génie, un sculpteur qui maîtrisait si bien son art que l'on devait, dit-on, enchaîner ses créations pour qu'elles ne s'enfuient pas. Un jour, il fit une statue d'Héraclès si criante de vérité que le héros, la découvrant, se sentit outragé et la brisa. Mais Dédale avait une faiblesse. Il était jaloux. Le talent des autres lui était insupportable. Or, voilà qu'un matin, son neveu Talos inventa la scie. Le jeune Talos avait pour cela pris modèle sur l'arête d'un poisson, et il avait ciselé dans le fer une suite de dents. Tout Athènes fut ébloui par cette invention. Dédale, lui, entra dans une rage incontrôlable. Un matin, après avoir conduit Talos sur le toit du temple d'Athéna, il le précipita dans le vide. Puis il se hâta de descendre au pied de l'acropole et enfouit le cadavre de Talos dans un sac avec l'intention de l'enterrer en secret. Mais le crime odieux fut rapidement découvert. Dédale fut arrêté, jugé. En raison des services que ses nombreuses inventions avaient rendus à l'humanité, les Athéniens renoncèrent à l'emprisonner. Ils le condamnèrent à l'exil. C'est ainsi que Dédale et son fils Icare se retrouvèrent en Crète, à la cour du puissant roi Minos. Mais tout cela ne nous explique pas pourquoi Dédale a poussé son fils à voler, prenant le risque de le voir s'écraser. Tout a commencé il y a bien longtemps. Zeus, dont la réputation de charmeur n'est plus à faire, vient d'abandonner sa dernière conquête, une belle princesse phénicienne, Europe. Il avait enlevé Europe sur les rives de Tyr en prenant l'apparence d'un taureau, puis l'avait déposée dans les montagnes de Crète. Europe lui avait donné trois beaux enfants, rien que des garçons, Minos, Radamante et Sarpédon. Europe ne resta pas longtemps célibataire. Les prétendants se bousculèrent. Tous considéraient comme un grand honneur de séduire celle qui fut l'amante du maître de l'Olympe. C'est Astérios, le prince qui régnait sur la Crète, qui l'emporta. Astérios épousa Europe et adopta ses enfants, dont il fit ses héritiers. Les années passèrent. Astérios meurt un jour d'hiver. À peine est-il enterré que l'un de ses trois fils adoptifs, Minos, se propose d'occuper le trône.
mais ses deux frères s'y opposent. Alors, comme preuve de ses droits à la succession, Minos soutient que les dieux lui ont confié le royaume. Et pour le prouver, il proclame qu'il peut obtenir d'eux tout ce qu'il juge bon de leur demander. Ses frères se montrent pour le moins dubitatifs. Ils demandent à voir. Minos relève le défi. Après avoir dédié un temple à Poséidon, le dieu de la mer, Minos le supplie de faire surgir des flots un taureau qu'il lui offrira en sacrifice. Et l'impensable se produit. Sous les yeux effarés de Rhadamante et Sarpédon et de toute l'assemblée, un superbe taureau d'un blanc éblouissant apparaît au-dessus des flots. Jamais, de mémoire d'homme, on n'avait vu animal aussi beau. Minos lui-même est ébloui. Sans doute ne s'attendait-il pas à voir son vœu exaucé de façon aussi éclatante. Ses frères s'inclinent devant le prodige. Minos est désormais roi de Crète. Minos trouve le taureau de Poséidon si magnifique qu'il décide de tromper le dieu. Au lieu de sacrifier l'animal comme il s'y était engagé, il l'envoie rejoindre ses propres troupeaux et en sacrifie un autre à sa place. Poséidon n'apprécie pas du tout ce tour de passe-passe. Le dieu ombrageux prépare sa vengeance. Elle sera terrible. Un roi sans reine n'est pas tout à fait un roi. Une fois sur le trône, Minos prend pour épouse une jeune fille du nom de Pasiphae, ce qui signifie « celle qui brille pour tous ». Pasiphae est la fille du dieu du soleil, Hélios, et de la nymphe Crétée. On l'a dite immortelle. On l'a dite aussi magicienne, puisqu'elle se montre capable de tuer toutes les femmes qui cherchent à lui enlever son mari en les couvrant de scorpions et de serpents sortis de son corps. 3 enfants naissent de cette union royale. 2 filles, Ariane et Phèdre, et un fils, Androgée. Le bonheur des souverains est parfait. Mais c'est oublier l'offense faite à Poséidon. Une nuit, le dieu des océans s'introduit dans la chambre de la reine Pasiphae. Il tourne autour de sa couche, chuchote des mots dont nul ne comprend le sens, et se retire. Sur le moment, en apparence du moins, rien ne se produit. En apparence, car à l'aube, Pasiphae se réveille et, stupéfaite, se découvre follement amoureuse, prise d'une passion dévorante, irrépressible. À l'égard de son époux? Non. Pasiphae était prise du taureau blanc, détourné du sacrifice par Minos. Désemparée, ne sachant comment assouvir le feu qui la consume, ce feu dévorant qui la pousse à s'unir au taureau blanc de Poséidon, la reine Pasiphae se précipite chez Dédale. Depuis qu'il a été chassé d'Athènes, le célèbre inventeur vit à la cour, où il enchante Minos et sa famille avec des poupées de bois animées qu'il fabrique et 1000 autres prodiges. Il pourra sûrement trouver un moyen de venir en aide à Pasiphae. Dédale écoute la reine. Ce qu'elle lui réclame défie l'imagination. S'unir avec le taureau blanc.
La perspective d'une telle union entre une femme et un animal semble à Dédale repoussante. Dédale hésite. Il veut refuser. Mais Pasiphaé menace de les mettre à mort, lui et son fils Icare, s'il n'obéit pas sur le champ. Dédale n'a plus le choix. Il a une idée. Il construit une vache en bois. Il la recouvre d'un cuir épais, la pose sur des roulettes dissimulées dans des sabots et la pousse dans le pré, non loin du taureau de Poséidon. Il montre à Pasiphaé comment se glisser à l'intérieur et comment ouvrir les portes repliées dans le dos de la vache. Puis il se retire discrètement, préférant ne pas être témoin de ce qui va advenir. Neuf mois plus tard, de cet accouplement contre nature, naît une créature terrifiante. Un être hybride. Un corps d'homme, aux épaules puissantes, au large thorax. Mais une tête de taureau. Les Crétois l'appellent le Minotaure, ce qui signifie le taureau de Minos. Dans un premier temps, Minos, ivre de rage, décide de châtier Dédale pour son inconséquence. Mais il se ravise vite. Ce que Dédale a fait, il doit le défaire. Il ordonne alors à l'architecte de bâtir la prison la plus inviolable qui soit afin d'y enfermer en toute sécurité le Minotaure. Cette injure au lien sacré du mariage. Dédale se met immédiatement à l'œuvre. Secondé par son jeune fils, Icare, il entreprend la construction d'un extraordinaire ensemble architectural, un labyrinthe. Un labyrinthe d'une telle complexité que toute personne qui se risquerait à y pénétrer ne pourrait plus jamais en ressortir, pas même son créateur. C'est dans cette forteresse à ciel ouvert que Minos enferme le Minotaure. Mais voilà qu'une terrible nouvelle s'abat sur le monarque. Son fils, Androgée, a trouvé la mort à Athènes, dans des circonstances suspectes. Minos tient le roi Égée, qui règne sur Athènes, pour responsable. La guerre éclate. Athènes est assiégée. Ses habitants affamés. Alors, en signe de soumission, les Athéniens proposent à Minos de choisir le tribut qu'il veut pour lever le siège. Minos ne réfléchit pas longtemps. Il exige que chaque année lui soient envoyés en Crète 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles afin d'être livrés au Minotaure. Les Athéniens, vaincus, n'ont pas le choix. Pendant des années, ils payent l'horrible tribut réclamé par Minos. Jusqu'au jour où le jeune Thésée, héritier du trône d'Athènes, décide d'en finir avec le monstre. Malgré les protestations de son père, Thésée se joint aux futures victimes et part pour la Crète, fermement décidé à défier le Minotaure. Une fois en Crète, Thésée est conduit au palais de Minos. La fille du roi, Ariane, en le voyant, s'en éprend aussitôt. Elle ne peut se résoudre à ce que le beau jeune homme soit dévoré par le Minotaure ou égaré dans le labyrinthe. Ariane confie sa détresse au seul homme qui peut l'aider, Dédale. Ce dernier, touché par l'amour et le désespoir de la princesse, décide de lui venir en aide. Ce ne sera pas sans conséquences. Le jour où Thésée doit entrer dans le labyrinthe, Dédale, en toute discrétion, donne à Ariane une pelote de fil. Elle devra la remettre à Thésée.
une fois ce dernier dans le labyrinthe, il n'aura plus qu'à dérouler la pelote au fur et à mesure qu'il avancera, et revenir ensuite sur ses pas pour retrouver le chemin de la sortie. Tout se passe exactement comme prévu. Thésée tue le Minotaure, puis, grâce au fil d'Ariane, réussit à sortir sain et sauf du labyrinthe. Le jour même, il enlève la princesse Ariane et l'emmène loin de Crète. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Minos entre dans une colère froide. Sans attendre, il ordonne l'arrestation de Dédale et d'Icare et les fait jeter dans le labyrinthe. Voici donc Dédale et Icare prisonniers de leur propre création. Dédale a beau avoir conçu le labyrinthe, il ne parvient pas mieux qu'un autre à retrouver son chemin dans l'enfilade sèche et brûlante des corridors de pierre. Il tourne sans cesse dans les mêmes cercles, sans pouvoir en sortir. Il doit bientôt se rendre à la raison. Le labyrinthe s'est refermé sur eux comme un piège. Icare, lui, se désespère. Assis sur le sol poussiéreux, il ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Attendre indéfiniment. Regardez la vie s'écouler lentement, inexorablement. Et lorsqu'il se reprend, lorsqu'il se met à chercher une issue à sa geôle, c'est chaque fois la même chose. Il se retrouve égaré, perdu, plus abattu encore. Icare, alors, se rassoit et contemple le ciel. Le ciel, symbole de cette liberté qui lui est dorénavant interdite. Pendant qu'Icare songe et se désole, Dédale, lui, réfléchit. Ce n'est pas le ciel qu'il contemple, mais les oiseaux. Au-dessus de lui, il tournoie, il plane. Décrivent de grands cercles, montent à l'assaut des nuages, se poursuivent dans un ballet plein d'élégance et de légèreté, puis viennent délicatement se poser sur les hautes murailles du labyrinthe. Une idée germe dans l'esprit de Dédale. Certes, on ne peut espérer escalader les murs du labyrinthe, mais il existe un autre moyen de s'évader. Un moyen audacieux et que le vieil ingénieur est prêt à tenter. Il tire Icare de sa torpeur et lui dit, en pointant la main vers les nuages, « C'est par le ciel que nous partirons. » Icare reste sans voix. Mais connaissant la grande ingéniosité de son père, il ne pose aucune question. Il sait qu'il peut lui faire confiance. Dédale lui ordonne alors de ramasser toutes les plumes d'oiseaux qu'il pourra trouver. C'est un travail long et laborieux qui commence. Les deux prisonniers disposent les plumes une à une, côte à côte, en commençant par les plus petites. Ils font suivre chacune d'une autre, plus longue, de sorte que l'ensemble paraît s'élever en pente. Ce travail accompli, Dédale relie les plumes avec des fils de lin arrachés à sa tunique, puis il les colle avec de la cire, leur imprimant une légère courbure afin d'imiter les ailes véritables des oiseaux. Icare fait de même. Ignorant qu'il est en train de fabriquer l'instrument qui va causer sa perte. Dédale
Dédale ajuste les ailes sur le dos de son fils. Il lui explique comment s'en servir. À maintes reprises, il lui recommande de toujours le suivre, de ne jamais s'éloigner. Le père et le fils sont prêts. Il s'élance, Dédale en tête. Les voilà qui s'élèvent, montent, gravissent les marches du ciel. Le labyrinthe s'éloigne. De temps à autre, Dédale se retourne pour s'assurer que son fils le suit bien, qu'il conserve toujours sa trajectoire. Icare, tout à son bonheur, vole de plus en plus librement. Sa jeunesse le rend téméraire. Icare monte de plus en plus haut. Peu à peu, il quitte le sillage de son père. Dédale s'en aperçoit. Il crie, l'implore. Mais la voix du vieil homme est emportée par les vents. D'ailleurs, Icare, abandonné à l'ivresse de son vol, n'entend plus rien. Il est tout à son ascension. Pourquoi rester dans l'entre-deux ? Pourquoi suivre la voie médiane quand c'est tout le ciel qui s'offre à nous? Aller plus loin, toujours plus haut, jusqu'à l'infini. Pendant quelques instants, Icare règne sur le monde. Il vole. Tout lui semble possible. Mais plus il s'élève, plus la cire, chauffée par les rayons du dieu soleil, commence à fondre. Tout à coup, les bras qui s'agitent ne prennent plus le vent. Du haut des cieux, Icare regarde la mer avec effroi. La cire a fondu. Les ailes sont tombées. Icare agite ses bras dépouillés. Il s'affole. Aucun soutien. Il chute. Il veut crier, appeler son père au secours. Trop tard, il heurte de plein fouet la surface de la mer et les eaux vertes se referment sur lui. Ces eaux, sur lesquelles flottent tristement quelques plumes, porteront désormais le nom de l'infortuné fils de Dédale, la mer Icarienne. Dédale a par deux fois défié les lois de la nature. La première fois pour aider Pasiphaé, ce qui donna naissance à une créature monstrueuse. La seconde fois pour s'évader, transformant l'homme en oiseau, ce qui coûta la vie à son fils. On ne soumet pas impunément la nature à de nouvelles lois, et les dieux n'aiment guère que les hommes tentent d'échapper aux limites de leurs conditions. Voilà ce que le vieux Dédale comprit lorsque, torturé par la douleur, il posa le pied sur une petite île aride, loin de Crète, qu'il rebaptisa Icarios, en ultime hommage à son fils perdu. Depuis des siècles, les marins et les voyageurs qui traversent la mer Icarienne s'interrogent sur le vol d'Icare. Sommes-nous si différents d'Icare? De cet enfant qui vivait dans une prison à ciel ouvert et rêvait de s'envoler vers un ailleurs qu'il imaginait meilleur. Icare n'a peut-être pas chuté pour avoir perdu tout sens de la mesure. Son père, Dédale, était un être astucieux mais prudent, observateur et inventif, mais adepte de la raison. Icare, malgré les avertissements, malgré les remarques de son père, est resté sourd à la voix de l'expérience. Mais nous savons bien que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même.